السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. لازلنا مع المراجعة للفروض، وطبعا هناك من أنجز الفرض وهناك من لم ينجزه بعد، ولكن لا بأس. بالنسبة لمن أنجزوا الفرض فهذه المراجعة ستفيدهم حتى في الاختبارات، وطبعا سوف تكون لنا محطة أخرى للمراجعة للاختبارات عندما يقترب موعدها. فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد في أوانه إن شاء الله. على بركة الله. On va lire le texte. Le brossage des dents est le frottement d'une brosse à dents contre plaisir dents en utilisant un dentifrice. يعني هذا تعريف غسل الأسنان. كيف يتم؟ Il a pour but de garder les dents propres et saines. يعني الهدف من غسل الأسنان هو المحافظة عليها وإبقائها في حالة جيدة. Il est bon d'habituer l'enfant au brossage des dents dès les premières années de sa vie. يعني من الجيد تعويد الطفل على الغسل في سنواته الأولى. Parce que ça permet à ses premières dents de se former dans un environnement propre. يعني هذا الأمر يسمح لأسنانه الأولى في النضج أو النمو في يعني جو نظيف. Et pour que ça devienne un geste routinier. يعني ولكي يصبح هذا أمرا معتادا بالنسبة له. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène qui nous permet d'éviter l'apparition des caries et d'avoir une haleine fraîche. يعني غسل الأسنان لو بروساج دي دون يسمح لتجنب التسوس ولكي يكون لنا نفس يعني نظيف. Texte adapté. On va passer à la partie compréhension de l'écrit. La première question souligne la bonne réponse pour chacune des deux questions suivantes. Bon, les deux premières questions, يعني السؤال الأول والثاني يجب أن نسطر على الإجابة الصحيحة. Souligne la bonne réponse. Dans ce texte, on raconte, ou bien on explique, ou on décrit. Bien sûr qu'on explique, parce que nous l'avons déjà dit. Le projet 1 et le projet 2, on explique. Donc on va souligner. Ce sont des textes explicatif, ça veut dire les textes du premier et du deuxième projet sont des textes explicatifs. يعني نشرح في هذا النصوص. La deuxième question, ce texte parle de quoi? Ça veut dire le thème, يعني الموضوع. ماذا يتحدث? A. Des microbes. B. De l'hygiène du corps. D. Du brossage des dents. C'est ça la bonne réponse. Du brossage des dents. Parce que le texte parle du brossage des dents. Voici la réponse. Elle est déjà au début, le brossage des dents. On parle de ça. La deuxième question, souligne le complément du nom et entoure l'adjectif qualificatif. Le complément du nom, il complète le nom. Il est mal parce que il complète le nom. Par exemple, ici, des dents. Ça, c'est un complément du nom. On va le souligner. Ça, c'est un complément du nom. Et yutmim, ma'na, had l'ism. Le brossage. Le brossage de quoi? Le brossage des dents. Yani, yutmim, ma'na, had l'ism. Wafi, had na' mina al-kalimat. Qu'on appelle en français des prépositions. Yani, tajid, huna, ba'd l'ism, had na' mina al-kalimat. De. Des, à, avec accent bien sûr, pour, sans, en, etc. Donc, une de ces prépositions. يجب أن تسطر الاسم مع هذه الكلمة. لا تسطر مثلا هذه الكلمة فقط. Dans, parce qu'on ne le considère pas comme un complément du nom. Et l'adjectif, c'est le mot fraîche. On doit entourer. يعني نرسم دائرة حول هذا الإجابة entour. يجب أن نتقيد بالسؤال طبعا يجب أن نتقيد بالسؤال دائما. Donc on va entourer.
3 relève du texte une définition. يعني تعريف. تعريف ماذا؟ مثلا إذا كان النص يتحدث عن غسل اليدين لو لافاج دي ما، تستخرج من النص تعريف يتعلق بغسل اليدين. إذا كان النص يتحدث عن وسيلة من وسائل النقل مثلا أو عن الرياضة، تستخرج تعريف يتناسب مع موضوع النص. Donc le texte parle du brossage des dents, on va chercher une définition dans le texte, tarif, et dans la définition il y a bien sûr l'auxiliaire être, et lorsqu'il s'agit d'un sujet en masculin, au singulier, pardon, et son lorsqu'il s'agit d'un sujet en pluriel. Bon, c'est ça la définition, le brossage des dents et le frottement d'une brosse à dents contre plusieurs dents en utilisant un dentifrice. Donc on va faire copier-coller et on va l'écrire ici. L'antonyme relève aussi l'antonyme du mot sale. On va chercher l'antonyme du mot sale. Il est au pluriel. Voici l'antonyme du mot sale. Sale, yani muttasir. Et propre, yani nadif. On va l'écrire ici. Ensuite, répond par vrai ou faux. Bon, pour répondre pas vrai ou faux, il faut chercher la phrase ou bien le sens de la phrase dans le texte. يعني نبحث عن الجملة أو معنى الجملة في النص. إذا كان يتوافق مع الجملة التي نقرأها فالإجابة تكون صحيح يعني vrai. Sinon, si ce n'est pas vrai, on va écrire faux. Bon, pour la première phrase, pour se brosser les dents, on utilise une brosse à dents et un dentifrice. Bien sûr que vrai. Bien sûr que c'est vrai. Deuxième phrase. Le brossage des dents permet aux dents de rester saines. يعني غسل الأسنان يسمح لها بالبقاء في حالة جيدة. C'est vrai. La réponse elle est dans le texte aussi. On va chercher dans le texte. Il a pour but, il, ça veut dire le brossage des dents, il a pour but de garder les dents propres et saines. Donc saines, c'est ça. C'est vrai. On ne doit pas habituer l'enfant à se brosser les dents dès son jeune âge. يعني لا يجب أن نعود الطفل على غسل الأسنان في وقت مبكر. C'est faux. Dans le texte, on dit que il faut habituer l'enfant à se brosser les dents dès ses premières années. Dès ses premières années. يعني في سنواته الأولى. Donc c'est le même sens. Le brossage des dents est une mauvaise habitude. Non. يعني هو عادة سيئة؟ لا. Ce n'est pas une mauvaise habitude. Donc c'est faux. 5. On doit compléter le tableau. Vous avez des noms à gauche et des verbes à droite. Donc, bon, pour former un verbe, ou plutôt un nom à partir d'un verbe, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire? On rajoute au radical du verbe un suffixe. Suffixe âge, aimant, action, etc. Donc, on commence par le verbe nettoyer. Le radical du verbe, c'est ça. On va faire copier-coller. Après, on rajoute le suffixe âge, nettoyage. Nous avons rajouté ce suffixe. Pour former le verbe, pour avoir le verbe, on fait le contraire. C'est ça le radical. C'est ça le radical. On écrit le radical. Et on rajoute ce qu'il faut. Bon, pour avoir le verbe à l'infinitif, c'est le verbe brosser. La même chose ici. C'est ça le radical. Frotte. Donc, on va faire copier-coller et on rajoute ce qu'il faut pour avoir le verbe. Donc, on aura le verbe frotter, brosser, nettoyer, frotter. On peut dire aussi se brosser. 6. Souligne la phrase déclarative. Vous avez deux phrases ici. La phrase déclarative, يعني جملة الخبرية. Donc, on va souligner bien sûr la deuxième phrase parce que c'est une phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une exclamation,
Ce n'est pas un ordre, يعني ليست أمر ولا سؤال ولا استفهام ولا تعجب. Tandis que la première phrase, c'est une phrase interrogative. يعني الجملة الأولى هي جملة استفهامية. Une phrase interrogative. Donc on souligne la deuxième phrase. 7. Évite la répétition dans la phrase suivante en employant un pronom personnel. يعني تجنب تكرار في هذه الجملة استعمال ضمير. Une carie est une infection des tissus de la dent. La carie cause de graves maladies. C'est ça le mot répéter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire la phrase en évitant la répétition. Pour éviter la répétition, on va employer le pronom elle. Parce que c'est féminin. 8. C'est une question de conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'enfant se brossait. C'est le verbe se brosser, un verbe du premier groupe. Donc, la terminaison, c'est e. Deuxième verbe, mon frère et moi, ça veut dire nous, mon frère et moi, nous sommes deux personnes. Nous. Et choisir est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter la terminaison suivante. Choisis. Son. I2S-ONS. I2S-ONS. 9. Choisis la terminaison qui convient. ES-E-ENT. Il faut regarder le sujet. Yani, al-hasab, damir, ou il fa'al. Nodif, la terminaison. Bon, vous avez les bactéries. Donc, on va rajouter ENT. C'est ça la terminaison qu'il faut rajouter. Et finalement, on doit proposer un titre au texte. Propose un titre au texte. Tout simplement, on va dire le brossage des dents. C'est ça le titre proposé. Bon, si vous avez remarqué, il n'y a pas de production écrite parce que c'est un sujet de 45 minutes. J'ai décidé de ne pas faire la production écrite. Sinon, vous pouvez le faire. يعني هذا يتوقف على كل استاذ. يمكن للاستاذ ان يقلل مثلا من عدد الاسئله المطروحه ويقترح وضعيه ادماجيه. انا قررت بان لا اطلب من التلاميذ ان يكتبوا وضعيه ادماجيه ولا الا فكل استاذ وطريقته في التعامل مع الظرف الحالي، يعني الوقت القصير الذي لا يكفي لانجاز موضوع كما هو معتاد في الساعه، يعني لدينا 45 دقيقه فقط. لمن أراد أن يقوم بتحميل الموضوع فكما عودناكم نترك الرابط في صندوق الوصف. نتمنى لكم حظا موفقا، مراجعة طيبة، ونلتقي في حصة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.